Un jour, en élaguant, je vois un lampadaire. Alors, je mets en forme la branche de châtaignier. Je la coince dans un arbre pour qu'elle sèche au grand air. Ensuite, j'écorce ses jolis nœuds. Et voilà! Pour le socle, ce rondin, je le trouve vraiment moche. Mais voici qu'une amie m'explique. Wabi-sabi! Alors, teinture du bloc de chêne, sauf la fracture, avec un extraordinaire bouillon d'écorce. Pourri. Ensuite, deux vis pour l'assemblage. Et voilà. Linky, c'est contrariant. Pas pour tout le monde, c'est clair. Moi, j'en ferai une porte vers l'autonomie. En route vers le 12 volts, sortant pour le moment d'une alimentation. Des LED qui ne chauffent pas, mais c'est fil électrique. Ça pourrait faire une liane. Alors, refente de lèche, comme pour mon sombrero. Huitième de feuille croisée. Et... 1, 2, 3, 4. Serre. Demi-tour. 1, 2, 3, 4. Serre. Demi-tour. À la fin, 1, 2, dessert, 2 boucles, serre, dessert, 2 boucles, serre, coupe. Replay. Replay, replay. La belle grimpante s'enroule. Et pour finir, épine de prunelier. Replay, stop. Et voilà la lumière. Et si mon sombrero jouait l'abat-jour la nuit? Allez hop! 2 antennes clouées au prunelier, ficelées au quart de feuille. Et voilà! La nuit, le jour, mon lampadaire porte-chapeau. Si tu aimes cette histoire, éteins ton écran et sors chercher... Qu'est-ce que je vais trouver cette fois? Oh! Un nouvel éclairage.